Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Donc aujourd'hui les enfants, on va raconter une histoire magnifique. Et dans cette histoire, il y a un animal qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Qur'an. Voilà, on dit Qur'an, pas Qur'an ou pas Qur'an. D'accord? Qur'an. De quel animal nous allons parler aujourd'hui, Hassan? L'éléphant? Non. La vache? Le Zahara. La Mehza. La Mehza, c'est une Mehza, ça? Est-ce que c'est une Mehza, ça? La Mehza, c'est une chèvre. Je sais. Est-ce que c'est Habil et Kabil, ça? Ah non, le loup et le mouton. D'accord. Non, j'ai jamais connu. Le loup, le zébe. Répétez, azébe. Azébe. On va parler du loup et du prophète Youssouf alayhi salam. Répétez Youssouf. Youssouf. Youssouf alayhi salam. Est-ce que vous voulez connaître l'histoire ou pas? Oui. Alors vous rangez les stylos. Vous ouvrez grand vos. Vous ouvrez grand vos. Vous ouvrez vos yeux et vous fermez là. Et on écoute. Il y a très longtemps, il y avait un homme qui était très, 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 très gentil. Et il s'appelait Yaakoub. Répétez Yaakoub. 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 Alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal, il a choisi que Yaakoub allait devenir un prophète. Donc Yaakoub, c'était un prophète. Et Yaakoub, il s'est marié et il a eu 11 fils. Il a eu 11 garçons. Et ensuite, plus tard, il s'est marié une deuxième fois avec une seconde épouse, avec une deuxième femme, et il a eu deux garçons. Un qui s'appelait Youssouf et un qui s'appelait Benyamin. Hein? Répétez, Youssouf, Benyamin. Mais Youssouf, alayhi salam, c'était un enfant qui était très différent. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait choisi que Youssouf alayhi salam allait devenir un prophète. Il allait devenir un prophète. Et c'est pour cela que Yaakoub alayhi salam, il regardait son fils Youssouf avec un œil différent. Mais les frères, les 11 frères de Youssouf, ils ont vu que Yaakoub, il regardait Youssouf alayhi salam avec un œil différent. Ils savaient qu'il allait devenir prophète. Et ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Et est-ce que le musulman il a le droit d'être jaloux? Non. Et est-ce que le musulman il est jaloux? Non. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de voir, d'expliquer la gravité de la jalousie. Et ils ont dit, notre père aime plus Youssouf que nous. Et jour après jour, tous les jours,
la jalousie, parce que la jalousie, c'est comme du feu qui est à l'intérieur. Ils ont laissé la jalousie s'emparer d'eux au point où ils se sont dit, il faut qu'on se débarrasse de Youssouf. Comme ça, notre père, il ne va plus s'occuper de Youssouf et il va s'occuper que de nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis. Et ils ont établi un plan pour tuer leur frère. Pour tuer Youssouf. Le soir, ils sont venus voir leur père. Comment il s'appelait leur père? Ya'qub. Répétez Ya'qub. Alayhi salam. Abdullah, c'était le père de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été voir leur père et ils ont dit, Abi, demain, nous allons prendre le troupeau, les moutons. Nous allons faire paître les moutons. Vous savez ce que ça veut dire, paître les moutons? C'est-à-dire prendre les moutons et les laisser manger de l'herbe, etc. Ils ont dit, demain, on va prendre tous les moutons. Est-ce que tu peux envoyer Youssouf alayhi salam avec nous? Nous allons prendre soin de lui. Imran, tu peux venir t'asseoir et je ne veux plus t'entendre. Donc on reprend. Le soir, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? Ils ont dit, demain nous allons faire paître le troupeau. Envoie Youssouf alayhi salam avec nous et nous prendrons soin de lui. N'oubliez pas qu'ils ont fait un plan. Ils ont dit à leur père pour que leur père il leur laisse Youssouf. Et est-ce qu'ils ont dit la vérité? Et Yaakoub alayhi salam, il a hésité, il a dit, j'ai peur qu'il échappe à votre attention et que le loup ne le dévore. Mais les frères ont rassuré leur père en disant, nous allons bien nous occuper de lui, nous allons bien le surveiller. Et en fait, ils ont menti. Pourquoi? Parce que la jalousie, elle leur a poussé à commettre plusieurs péchés. Et le lendemain, ils sont partis avec Youssouf. Alayhi salam. Ils ont marché longtemps. Et ils ont mis leur plan à exécution. Mais, au lieu de le tuer, l'aîné, vous savez c'est quoi l'aîné? C'est le plus grand. L'aîné, c'est le plus grand. Il a dit, nous n'allons pas le tuer. Mais nous allons le jeter dans un puits. Mais nous allons le jeter dans un puits. Peut-être que des voyageurs le trouveront et l'emmèneront loin de nous. Alors ils ont attrapé Youssouf. Ils ont attrapé Youssouf. Ils ont pris sa tunique, ils ont pris son habit et ils l'ont jeté dans le puits. Et ils l'ont jeté dans le... Dans le... Dans le bi'r, dans le puits. Est-ce qu'on a le droit de jeter Youssouf dans le puits? Alayhi salam. Mais, Youssouf alayhi salam qui s'est retrouvé tout seul dans le puits, est-ce qu'il était réellement tout seul? Qui était avec lui? Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a surveillé. Car qui nous surveille? Allah. Allah azza wa jal, il a tout vu. Qui voit tout? Allah. Allah azza wa jal, il a tout entendu. Qui entend tout? Allah. Allah tabaraka wa ta'ala. Il a, c'est lui qui contrôle tout. Et il savait exactement ce qui allait se passer, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il sait tout. Et le soir, ils sont revenus, ils sont rentrés chez eux en pleurant, ils ont dit, Abi, Abi, nous sommes désolés,
On était en train de faire la course et nous avons laissé Youssouf surveiller nos affaires. Et le loup, il a dévoré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du... Ils ont pris un habit, son habit. Vous avez vu quand ils l'ont mis dans le puits? Ils ont pris son habit et ils ont mis un autre sang qui n'était pas le sang de Youssouf. Et ils ont dit, regarde. Ils ont dit, regarde, le loup, il a mangé Youssouf. Alors, est-ce que le loup, il mange Youssouf, alayhi salam? C'est eux, ils ont menti et ils ont inventé cette histoire. Et Yaakoub, alayhi salam, il savait au fond de lui que ses fils, ils mentaient. Et que Youssouf, alayhi salam, était toujours vivant. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yaakoub? Il s'en est remis à Allah. Toute sa tristesse, il s'en est remis à Allah. Et il a placé toute sa confiance en... Il a placé toute sa confiance en... Allah. Il a placé toute sa confiance en... Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les enfants, lorsque vous êtes tristes, on demande à qui de nous aider? À Allah. À Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pendant ce temps, une caravane, donc une caravane, quand on dit une caravane, c'est tous ceux qui, yani ceux qui venaient, qui voyageaient avec des chameaux, d'accord? Et ils sont passés près du puits, et ils ont lancé un seau dans le puits pour attraper de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils ont remonté le seau? Au lieu de voir de l'eau, ils ont vu un garçon, c'est un jeune garçon. Et c'était Youssouf alayhi salam. Et ils ont dit, ah, on va pouvoir le vendre. On va pouvoir le vendre et on va pouvoir gagner de l'argent. Ils l'ont pris avec eux et ils l'ont vendu au ministre du roi de l'Égypte. Car ce dernier n'avait pas d'enfant et il le prit alors chez lui. Et son épouse, elle a dit, prends ce garçon sous ton aile. Peut-être sera-t-il une source de bienfaits pour nous. Garde cet enfant pour nous et on aura du bien avec cet enfant. Et Youssouf, alayhi salam, il a grandi dans la maison du ministre, du chef. Et pendant plusieurs années, il n'a pas vu son père, Yaakoub. Et son père avait beaucoup de chagrin. Il ne cessait de pleurer jusqu'à... Il a tellement pleuré. Il a tellement pleuré qu'il a perdu la vue. Il a perdu quoi? La vue tellement il a pleuré. Regardez les enfants, tellement Yaakoub alayhi salam il a pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la vue. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il ne laisse pas ses prophètes comme cela. Et il prend soin de ces deux prophètes. C'est qui les deux prophètes que l'on sait depuis tout à l'heure? Yaakoub et Youssouf. Très très bien, Hassan. Et après des années d'épreuves, Youssouf alayhi salam finit par devenir l'homme le plus puissant d'Égypte. Parce que Youssouf, il a grandi dans la maison du chef, dans la maison du ministre. Et Youssouf, il est devenu quelqu'un d'important parce qu'il était très intelligent et c'était un prophète alayhi salam et il est devenu un homme fort, un homme puissant et il a même évité à tout son pays la famine, c'est-à-dire que son pays, il risquait de ne plus avoir à boire, de ne plus avoir à manger. Mais Youssouf alayhi salam, avec ses conseils et avec ce qu'il a fait, il a évité à son pays la famine et tous les gens étaient comblés, tous les gens aimaient Youssouf parce qu'il était honnête et il était digne. Jusqu'à un jour, Allah Azza wa Jalla, il a décidé de réunir Youssouf et Yaakoub à nouveau. Il a décidé de réunir Youssouf alayhi salam avec son père Yaakoub et ses frères, ils sont revenus à Youssouf. Et ils ont regretté. Et ils ont demandé à Youssouf de leur pardonner ce qu'ils avaient fait. Est-ce que Youssouf, il a pardonné à ses frères de l'avoir jeté dans le puits? Non. Oui. Parce que Youssouf, alayhi salam, il avait un cœur sain. Et il a pardonné. Et nous aussi, quand quelqu'un nous fait du mal, on doit lui pardonner. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il pardonne tous les péchés.
Allah, il pardonne tous les péchés. Nous, des fois, on fait des bêtises, on désobéit à Allah. Mais si on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal, il nous pardonne. Et Youssouf, alayhi salam, il leur rappela le mal qu'ils avaient fait de ne jamais accuser un innocent, d'accord ? Même si c'est un loup. Parce que là, ils ont accusé le loup. Et est-ce que c'est le loup qui avait fait du mal à Youssouf ? Et c'est qui avait fait le mal à Youssouf ? On a fait Youssouf. D'accord, les enfants, est-ce que c'est compris pour cette histoire ? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.